Bonsoir, bonsoir camarade Abdoulaye Diabaté, la grande sœur Soraya Kim. Bonsoir, soyez salués. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Alasko, Alasko, comment tu vas, frère? Soyez salués. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. C'est que. Parce que c'est du lourd. C'est du lourd. Alors, Amao Hamza, Cheikh Oumar, bonsoir Cheikh Oumar depuis ta position. Alasko, Alasko, bonsoir Ouattara Adingra, Babino Kassi, sois salué. Merci beaucoup, cher frère. Amine depuis ta position. Béranger Conan, sois salué. Kouti Deman, pardon, sois salué. Il y a Béranger qui dit que demander depuis tu es marié, tu ne fais plus de direct comme ça. Hein? Non, Kwaku, Vincent Yao, bonsoir, soyez salués. Partagez, vous qui êtes là, vous que je cite vos noms là. Si vous ne partagez pas là, plus jamais je vais vous saluer. Voilà. Je vous laisse. Je vois les partages ici. Hein? Je vois les partages et puis je vois ceux qui mettent que. Je vous salue donc, saluez-moi en partageant. Voilà, en partageant, en likant, pour qu'on monte. Vous voyez toutes les pages, non? Ils nous ont tous bloqués. Voilà, donc quand vous venez, partagez pour que un ou bien deux ou bien trois de vos amis puissent voir aussi la vidéo et la partager. Et c'est comme ça qu'on débloque nos pages. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, comme vous me connaissez, comme vous le savez, on ne sort pas pour sortir, enfin moi. Je ne fais pas de vidéo pour faire vidéo. Sois saluée la maman, ma très chère Domiso, depuis les USA, Joséphine Koulibaly. Maman, je t'ai saluée, donc il faut partager. Donc maman dit qu'elle a partagé. Je vais aussi voir tes cœurs en train de jaillir sur mon écran pour prouver que tu es là. Voilà. Lamine Bamba, partagez s'il vous plaît. Alors. Il y a quelqu'un qui dit que depuis que je suis marié, il ne fait pas de vidéos comme ça. Non, ce n'est pas ça. C'est dû à plusieurs choses. Vous savez, à des moments de la vie, les circonstances font souvent qu'on est souvent très loin des écrans. Voilà. Il y a Cheikh Oumar qui dit, si je suis tes interventions, ça me va droit au cœur depuis Abidjan actuellement. Merci, Cheikh. Saïd Konaté, sois salué. Vous savez, les gens pensent que, bon, beaucoup, hein, voilà, nous disent, on attend, pensent que c'est dans vidéo, nous, on mange. Facebook n'existait pas, nous, on existait. D'accord? Donc, on ne peut pas réduire nos vies à Facebook.
Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent la France, quand tu es en France et que tu ne travailles pas, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Même si tu es millionnaire, milliardaire, même si tu veux. Mais quand tu n'es pas en activité, quand tu ne produis pas les fiches de paye, quand tu es inutile ici en France, nous on travaille du lundi jusqu'au vendredi, souvent même les week-ends. Même ce samedi matin là, on a travaillé. Nous on travaille en France. Aujourd'hui, je vous parle au-delà même de mon travail, je fais autre chose, donc ça me prend beaucoup de temps. Souffrez que souvent, très rarement, je serai devant vous. Mais quand les choses vont bien rentrer en ordre, je vais reprendre mes activités facebookales. Mais je le suis aujourd'hui hein, devant vous. Donc, c'était juste pour dire que ça n'a rien à voir avec mon mariage. Au contraire, je vais vous faire une anecdote avant de continuer. Vous qui êtes là, vous allez bénéficier de cette anecdote-là. Partagez le direct, s'il vous plaît. N'étais pas marié, j'étais célibataire quand j'ai voulu me marier. Bon. Mon épouse ne me suit pas, hein, elle ne regarde pas mes vidéos, mais bon, elle me connaît. Donc, tout ce que je vais dire ici, là, elle sait déjà. Voilà, ne partez pas gâter mon truc là-bas. Je cherchais des petites go, quoi. Mais je ne vais plus ça, hein. Mais celles qui me cherchent, ça, c'est un autre cas. Mais moi, je ne cherche plus. Celles qui vont me chercher, on dit ballon qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu dedans. Ma femme ne peut pas dire que je l'ai trompée. C'est quand moi je vais partir vers une femme maintenant. Bébé, je t'aime. Genre comme si je sais le faire. Ma femme sait que je suis trop fort dans ça. Maintenant, là, je l'ai trompé. Si moi-même, je prends mes clics et mes claques pour aller chercher ça. Mais si elle me regarde bizarrement. Si je sens qu'elle me regarde. Et que je sais qu'elle me regarde. Je peux lui demander. Tu me regardes? Elle dit oui. Mais pourquoi tu me regardes? Si elle dit que c'est parce qu'elle est femme, c'est elle qui m'a cherché. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Donc ça là, je n'ai pas trompé ma femme. C'est-à-dire, ça c'est pour ceux qui savent jouer ballon, ceux qui connaissent les règles du football là. Quand tu joues, quand toi-même tu envoies ballon dans ton propre camp, là il n'y a pas hors-jeu dedans. À but qu'on va marquer là-bas, c'est but, c'est pas hors-jeu. Mais si l'adversaire sort du jeu, on dit hors jeu. C'est la même chose en matière de chercher femme. Donc, un jour, dans mes balades, j'ai croisé une fille qui me regardait. Et j'ai dit, pourquoi tu me regardes? Elle dit, je te regarde parce que tu es jolie. Bon, c'est parti. Mais ça, c'était avant mon mariage. Depuis que je me suis marié, je comprends plus. On ne me regarde pas comme ça. Et c'est celle-là. Et c'est moi, ma femme n'a pas fait babadi pour ne pas que femme me regarde encore. Donc, je vais juste être sérieux pour répondre à ceux qui pensent que c'est depuis mon mariage, il n'apparaît pas. Non, je vais vous dire une chose. Ma femme même me dit, hey, va faire vidéo. Parce que, à cause de tes vidéos là, tu n'es pas venu dans mon mariage. Tu n'es pas venu le jour où on dit, bon, oui. Donc, vidéo, ça, là, tu vas faire ça jusqu'à quand mon mari serait fatigué. Il a dit, bébé, faut arrêter maintenant. Mais femme, moi, m'a refusé parce que j'ai fait la vidéo. Mais moi, ma femme m'a accepté malgré que j'ai fait vidéo. Donc, bébé, je t'aime. C'était juste pour amuser la galerie. Le temps que vous soyez prêt à partager la vidéo. Kwaku Vincent, comment tu vas, cher frère? Kouti demande soit salut. MT Canadien, bonsoir. Il y a une affaire de Guillaume Soro sur la toile encore. De quoi s'agit-il? Ou bien de quoi s'agit-elle? Ça dépend. Et la vie. Bon. Vous avez tous vu sur la toile. Oui. Assurance vie de Soro Guillaume. Et ceci, poursuite, et cela. On va vous expliquer à notre manière ce qu'on sait de ce dossier. Ce dossier n'est pas un nouveau dossier. C'est un vieux dossier. Il faudrait que vous sachiez qu'il y a des gens, des ONG ivoiriens manipulés depuis Abidjan, qui sont venus dire en France ici que Guillaume Soro
en 2010-2011, lors de la crise post-électorale, a commis des crimes. Et donc, eux poursuivent Guillaume Soro en France. Si vous vous rappelez très bien, il y a de cela un an ou deux ans en arrière, quelques temps en arrière en tout cas, un jour on dit que il y a une juge ici en France qu'on appelle Sabine, Kéry Sabine, qui voulait entendre Guillaume Soro sur cette affaire de crime, la plainte qui était posée contre lui ici. Et le président Guillaume Soro a fait partie de ses avocats pour aller écouter cette juge. Et la juge, Kéry Sabine, disait qu'il fallait Guillaume Soro. Et les avocats du président Guillaume Soro sont allés se présenter. Avec à la tête Maître Bamba Afouseta Lamine. Les avocats du président Guillaume Soro ne sont pas allés très loin avec la juge. Ils ont dit tout simplement à la juge Kéry Sabine, Madame la juge, excusez-nous, hein, on ne va pas faire comme si c'est nous, on vous a enseigné à l'université, mais on va juste vous rappeler les lois qui sont conformes à la Constitution. Le monsieur que vous voulez entendre, qui s'appelle Guillaume Soro, dans cette affaire-là, vous n'êtes pas compétente. Parce que cette affaire ne concerne pas la personne de Guillaume Soro, mais plutôt la personne du premier ministre d'alors de la République de Côte d'Ivoire. Donc, Guillaume Kibafori Soro. Conformément à la loi, Guillaume Kibafori Soro, alors premier ministre de Côte d'Ivoire, de décembre 2010 jusqu'à la fin de cette période de crime qu'on lui reproche, était premier ministre, donc était président d'une institution d'un pays souverain comme la Côte d'Ivoire. Et selon les lois, que dit la loi ? Avant même de rentrer dans le dossier, la loi dit, pour que Guillaume Soro, un citoyen, soit poursuivi en matière de crime, voilà, de ce que on lui reproche, il faut d'abord regarder la qualité au moment des faits de ce personnage, de cette personnalité. Alors que, au moment des faits reprochés au président Guillaume Soro, qui était-il ? Un citoyen lambda, une autorité, et de quelle autorité s'agissait-il? Une autorité suprême de la Côte d'Ivoire. Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, la forme déjà voudrait qu'on se soit même à ce dossier-là, parce que la poursuite est inconstitutionnelle vis-à-vis, enfin, en fonction des éléments que je viens de vous citer. Ça veut dire quoi en un mot? En ce moment-là, les avocats du président Guillaume Soro ont soulevé l'inconstitutionnalité de la poursuite. Pour dire que, c'est vrai, tout citoyen doit être poursuivi pour ce qu'on peut lui reprocher. Mais la même loi qui dit ça dit que pour poursuivre un citoyen ou une autorité, ce est fait. Il faut d'abord regarder la période des faits, la qualité de ce personnage au moment des faits qu'on lui reproche. Essayez de comprendre, si vous ne comprenez pas, je vais aller très lentement, doucement, même si on fait deux heures ici, pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent où on va, de quoi s'agit-il. Lisez très bien le titre d'aujourd'hui là. C'est intéressant, hein? Donc, c'est ce jour-là, on nous a dit qu'il y avait ici en France une autorité française qui avait écrit à la juge Kéry Sabine pour dire que quand les avocats du président Guillaume Soro vont arriver là-bas, là, ils vont lever le problème de l'humilité que leur client
avec le, au moment des faits. Parce que quand tu es président d'institution, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, tu jouis d'une humilité. Une humilité te couvre. Mais en lien avec, je veux dire, les faits qui ont été commis pendant que tu étais en exercice. Il y a une autorité qui avait écrit ça. La juge Kéry s'était empressée pour dire que le président Guillaume Soro doit être poursuivi parce que elle estimait qu'il n'était rien, il n'était pas premier ministre, parce que elle avait une note d'un diplomate français que je ne vais pas citer. Et ce jour-là, le président ne s'est pas présenté, les avocats sont allés et les avocats ont porté devant la cour d'appel de Paris le problème d'inconstitutionnalité de ce dossier-là, de cette poursuite. Bon, nous avions cru que c'était terminé cette affaire. Et depuis hier, on attend, oui, la Cour de cassation en France reconnaît la poursuite de Guillaume Soro. Et puis, subitement, on dit une saisine de son assurance vie. Tout ça, là, ça veut dire quoi en français? Normal, clair, clair. Habiter là-bas. Ça veut dire quoi? Il faut amener les gens à comprendre de quoi on parle. C'est pourquoi vous verrez que on ne sort pas comme ça pour parler de quelque chose. Je suis à l'aise en parlant parce que, en fait, c'est simple à comprendre. Qu'est-ce qui d'abord une assurance vie? D'autres ne savent pas. Il faut leur dire qu'est-ce que c'est qu'une assurance vie. Dans assurance vie, il y a deux thèmes. Il y a assurance et puis il y a vie. Donc, c'est ce que ça veut dire. Vous conviendrez avec moi que chacun de nous ici sait au moins qu'est-ce qu'une assurance. Bon, la répétition est pédagogique. Une assurance, c'est, je vais dire, une manière de se couvrir en cas de risque sur soi ou sur l'objet sur lequel l'assurance porte. Par exemple, j'achète une voiture à 1000 euros. Et puis, je me rapproche d'une maison d'assurance, d'une compagnie d'assurance, pour leur dire, bon, moi j'ai acheté une voiture à 1000 euros. Moi, je veux prendre assurance pour chez vous ici, pour ma voiture là. Là, le jour où je fais accident, l'assurance que je paye à moi ici va me permettre de couvrir certaines charges liées à mon accident. Je peux avoir raison, je peux avoir tort. Si j'ai raison, il y a des conditions. Si je n'ai pas raison, il y a aussi des conditions. Et c'est la même chose pour assurance vie. L'assurance vie cette fois-ci n'est pas pour une voiture. C'est pour la personne de Guillaume Soro. Une assurance vie, c'est une manière de cotiser, de mettre de l'argent à côté, un peu, pour soi-même, se couvrir en cas d'un haut risque, un accident, maladie, il y a peut-être la mort, tout ça, voilà, l'assurance vie, tout ce qui est lié à ta vie, quoi. C'est ça, on dit que la justice française a saisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que comme la justice française vient de reconnaître le bien fondé de la poursuite contre le président Guillaume Soro pour ce qu'on lui reproche, elle dit, bon, comme c'est un procès qui va s'ouvrir normalement, et pourtant, un procès, tu peux gagner comme tu peux perdre. La justice française dit, bon, cette poursuite-là, nous, on ne sait pas si tu vas perdre ou si tu vas gagner. Mais en cas de victoire, ça c'est fini. Mais comme à l'issue d'un procès, il y a ce qu'on va appeler un dédommagement. Et que le président, lui qui est poursuivi là, il avait gardé quelque chose chez nous ici, comme épargne, comme l'argent pour sa vie. Cet argent-là, comme c'est chez nous ici, pour le moment là, nous on va garder cet argent. Lui, il ne garde plus l'argent là, c'est nous maintenant à garder.
Il n'a pas, pour le moment, il n'aura pas accès à cet argent. Nous-mêmes, on va gagner. Pourquoi on va garder? Parce que le procès qui s'ouvre, s'il gagne le procès, il a son argent qui est bien en place. 5 francs, 1 rond ne va manquer. Mais au cas où il venait à perdre le procès, cet argent-là va prendre, nous, on va prendre l'argent-là, soit tout cet argent, ou bien une partie de cet argent pour couvrir le dommage que la personne, donc le président Guillaume Soro, serait amené à payer à ceux qui ont porté plainte. C'est ça qu'on appelle, c'est pour ça qu'on parle de saisine de l'assurance vie. Sinon, l'assurance vie la plus viable, la plus vitale, la plus éternelle, c'est celle de Dieu. Sinon, si un homme se lève, vous dit, bon, moi-même, on ne sait jamais dans la vie. Attends, il met un peu d'argent à côté, à côté, à côté, à côté, à côté. Là, un jour, s'il y a un souci de santé, de quoi, je peux prendre ça pour me couvrir. Ça, c'est lui qui voit. Ça, c'est... Tout le monde fait... Est dans la vie. Tout le monde n'a pas ça dans sa vie. Mais ça, c'est pas quelque chose d'alarmant. Ah, d'autres, on m'a appelé, ah non, ça là, vraiment, assurance vie là-bas. Comme je ne peux pas répondre à tout le monde un à un, ce que je sais de ça, voilà ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, on ne s'arrête pas là. On dit que ils vont le poursuivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on peut rentrer dans le fond du dossier. Ça veut dire quoi encore? Si aujourd'hui, la justice française dit ça, c'est un message très clair. Ça veut dire quoi? Que la justice française dit que le problème d'inconstitutionnalité que les avocats du président Guillaume Soro ont posé hier n'est pas fondé. Ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire que quel problème les avocats du président Guillaume Soro avaient d'abord posé? Les avocats du président Guillaume Soro avaient dit que on lui reproche tel fait à telle période. Mais attention, il était premier ministre à la période pendant laquelle ce fait a lieu. S'il était premier, comme il était premier ministre, alors la loi dit qu'on ne peut pas poursuivre un président d'institution sur les faits d'une époque où il était en fonction. Ça veut dire quoi, Abidjan? Quand tu veux expliquer à Abidjan, tu dis tout simplement que les avocats du président Guillaume Soro ont dit, comme la loi dit, que ce que vous lui reprochez là, c'est passé en de décembre 2010 en avril 2011. Et pourtant, ces faits-là se sont passés quand il était premier ministre. Même si il est coupable de ces faits, en tout cas, ces faits étaient liés à sa fonction de premier ministre. Donc, on ne peut pas le poursuivre. Voici ce que cette disposition dit. Voici le problème que les avocats du président Guillaume Soro ont soulevé. La justice française dit aujourd'hui que le président Guillaume Soro est poursuivable. Ça veut dire que la justice française dit que le président Guillaume Soro n'était pas premier ministre de décembre 2010 en avril 2011. Donc ce message veut dire quoi en réalité? Selon vous, tous ceux qui sont ivoiriens, et même au-delà, le président Guillaume Soro, oui ou non, a été premier ministre de Alassane Ouattara de 2010 en 2012. Oui ou non? C'est ça la question que tout ivoirien aujourd'hui doit se poser. On va aller doucement avec ce dossier et vous allez comprendre beaucoup de choses qui se cachent dans ce dossier. La première chose, c'est que, en fait, cet agissement, bien ce message de la justice française est tellement clair que le régime en place à Abidjan doit commencer à s'inquiéter pour dire, ah, on vient de nous dire, la justice française vient de nous dire que Soro Guillaume n'était pas premier ministre de décembre 2010. En avril 2011, comment ça fait? Venons-en en fait. Nous allons aux élections présidentielles.
Octobre 2010, premier tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ouattara et Gbagbo Laurent sont vainqueurs pour le second tour qui a lieu en novembre 2010. Après le mois de novembre, on tombe dans le mois de décembre. L'élection a lieu dans la dernière semaine du mois de novembre 2010. Les résultats ont été donnés en début décembre 2010. Alassane Ouattara est au golf. Soro Guillaume est dehors avant les résultats. Ouattara est au golf dans son QG. Guillaume Soro, en tant que premier ministre de Gbagbo, avant la proclamation des résultats, il n'est ni avec Gbagbo dans son QG, il n'est ni avec Ouattara dans son QG au golf. Il est chez lui, il attend les résultats. L'accord politique de Ouagadougou dit, Guillaume Soro, il faut rester chez toi à Makori pour attendre que la commission électorale indépendante proclame les résultats avant que tu sortes de chez toi pour aller chez le vainqueur, aller lui rendre ta démission. Voici ce que disait l'accord politique de Ouagadougou en termes simples. C'est ce que le président Guillaume Soro a fait avant que Youssoufou Bakayoko ne prononce le résultat provisoire. Guillaume Soro était chez lui paisiblement à Makori, conformément aux accords politiques de Ouagadougou. Quand Youssoufou Bakayoko sort, qu'est-ce qu'il dit? Youssoufou Bakayoko, il dit, Alassane Ouattara, vainqueur, est élu président de la République avec 54,10% de suffrage exprimé. Gbagbo Laurent sort vaincu de cette élection. Ce n'est pas Guillaume Soro qui annonce le résultat. C'est Youssoufou Bakayoko. Conformément à l'accord de Ouaga, que fait-il, Guillaume Soro? Il continue avec l'application stricte de cet accord de Ouaga. Donc, en ce moment, il est libre de sortir de chez lui et se diriger au QG de celui qui a été annoncé vainqueur des élections présidentielles. Donc, Alassane Dramane Ouattara. Doit-il faire? Selon toujours cet accord politique, Guillaume Soro doit lui rendre sa démission de premier ministre de Côte d'Ivoire. N'a-t-il pas fait ça? Il a fait ou n'a pas fait? Il y a Gogoza de Niaïri qui dit, là je ne suis pas d'accord avec toi. Soro était le premier ministre de Gbagbo, mais était avec Ouattara. Et Allah. Bon, c'est les gens comme ça, si tu n'attrapes pas ton cœur, tu vas les bloquer. Bon, est-ce que ce que je suis en train de dire, Guillaume Soro là, il a voté. Il est un citoyen. Donc, il peut soutenir un candidat. L'accord n'a pas dit que Guillaume Soro ne va pas voter, hein. Ouattara peut être son candidat. Mais est-ce qu'il a appelé à voter Ouattara? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pensez que Guillaume Soro, il est citoyen avant d'être premier ministre? Donc, il a le droit de voter qui il veut entre Gbagbo et Ouattara. Donc, s'il était premier ministre de Gbagbo, qu'il est parti voter ou soutenir Ouattara, tu penses que ce n'est pas normal? Ah donc, s'il soutenait Gbagbo, c'est ça. C'est pas ça le débat aujourd'hui. Vraiment, quand vous venez sur mon direct, ne m'énervez pas. Parce que moi, je suis tellement méthodique dans ce que je fais qu'il y a des commentaires que je ne dois pas voir en fait. Faut plus jamais. Faut te taire, faut pas répondre, sinon il va te bloquer. C'est pas de ça que je parle. Je n'ai jamais dit Ouattara, Guillaume Soro ne devrait pas soutenir Ouattara, ou bien est-ce qu'il a soutenu Ouattara, il n'a pas soutenu. Je ne suis pas rentré dans ça. Je suis en train de parler de les périodes de nomination, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Non, ne me blague pas ici, je t'admire beaucoup là, s'il te plaît. Tu m'admires beaucoup, merci. Mais, sur ma logique, ce que je dis là, je veux que tu me confondes dans ce que je suis en train de donner comme raisonnement, comme développement. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si ce que tu mets en commentaire n'a rien à voir avec ce que je donne comme développement, comme argument, là, je vais te bloquer. Parce que moi, je veux que mes followers participent à mon direct, mais avec, normalement, la tête. Merci. Alors,
Guillaume Soro se rend au Golf Hotel. Il démissionne. Ça là, ce n'est pas caché de quelqu'un. France 24, la chaîne française la plus populaire, la plus fameuse au monde, s'appelle France 24. La toute première information officielle sortie dans la bouche de Youssouf Bakayoko a été retransmise directement sur la chaîne française France 24. Je sais pourquoi je donne cette information, je donne ce petit détail, parce que la justice française sait que tout ce que je suis en train de dire est consigné dans les archives de la République de Côte d'Ivoire. Quand Guillaume Soro démissionne, rend sa démission à Alassane Ouattara, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il n'a pas fait ça parce qu'il a aimé Ouattara. Ça là, ce sont les conclusions des accords politiques de Ouagadougou. Donc, Gbagbo Laurent était à Ouagadougou. D'ailleurs, l'accord politique de Ouagadougou est une initiative de Gbagbo Laurent. Je répète, l'accord politique de Ouagadougou qui a fait de Guillaume Soro Premier ministre, c'est un accord qui est l'initiative privée personnelle de Gbagbo Laurent. Donc tout ce qui s'est passé dans l'accord Gbagbo était obligé d'assumer. Donc j'avance. Mamadouchka soit salué. Quand Guillaume Soro démissionne au Golf Hotel, ce n'est pas un crime qu'il a commis. Il vient ici d'appliquer un autre pan de l'accord politique de Ouagadougou. Qui dit ou qui a dit que le jour la CEI, la commission électorale indépendante, dit que Ouattara a gagné, ou bien dit que Gbagbo a gagné, toi, Guillaume Soro, là, va directement chez le vainqueur pour aller lui remettre ta démission. Tu n'es plus premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a fait. Quand il démissionne dans la soirée du 5 décembre, un truc comme ça. Il a démissionné le soir. Mais quand tu démissionnes en tant que citoyen d'un pays, d'un poste, aucune loi ne dit que tu ne dois plus être reconduit à ce même poste. Aucune loi ne le dit. Quand il démissionne, Alassane Ouattara, qui vient d'être proclamé élu, le reconduit au même poste de Premier ministre, donc le président d'institution. Si c'est faux, dites que c'est faux. Et cette information-là, la même chaîne française France 24 l'a diffusée largement à travers le monde. Je rappelle que même la RTI n'était pas opérationnelle au moment des faits, plus que la chaîne française France 24. Donc, les juges de la Cour de cassation ici en France sont plus éloquents que moi en parlant de l'affaire Côte d'Ivoire. Ils savent mieux que moi que Guillaume Soro avait été reconduit Premier ministre par Alassane Ouattara. Maintenant, ce qui se pose, si aujourd'hui la justice française, à travers sa Cour de cassation, estime que le président Guillaume Soro n'était pas Premier ministre de décembre à avril 2011, oh mon Dieu, c'est un message pour dire que Alassane Ouattara n'était pas premier président de la République. Oh mon Dieu, c'est un message pour dire que c'est Gbagbo Laurent qui était président de la République au moment des faits. Est-ce que vous vous rendez compte de la vacuité des propos, des arguments qu'avance la Cour de cassation française? C'est ce qu'on a comme information, c'est sur ça qu'on fait le direct. Hein. Mais là encore, si cette même justice dit que c'est Gbagbo qui était président, mais j'ai dit Dieu merci. Qui était alors Premier ministre de Gbagbo? Si Ouattara n'avait pas encore été reconnu président, c'est que c'est le même Guillaume Soro qui était le Premier ministre de Gbagbo. Si on estime que non, Ouattara n'était pas encore proclamé président,
Si on estime que non, les élections n'étaient pas encore terminées, c'est que c'était le même Guillaume Soro qui était premier ministre de Côte d'Ivoire. Le vrai problème, c'est que le message est clair. C'est que Ouattara n'avait pas alors la qualité de nommer un premier ministre. Si c'est le cas, c'est que Ouattara a fait du faux et usage de faux en 2010, selon la justice française. Hein. Selon la justice française. Parce que c'est une simple question de logique. Ce n'est pas la personne de Guillaume Soro qu'il faut voir dans cette affaire. Si ce qui est vu est réalité devant la Cour de cassation, c'est-à-dire qu'on nous dise que de décembre 2010 jusqu'à avril 2011, que le président Guillaume Soro n'était pas premier ministre de Côte d'Ivoire, qu'on nous montre le vrai premier ministre de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais été sans premier ministre depuis 1990. Montrez-nous alors qui était le véritable premier ministre de Côte d'Ivoire. Si c'est Aké Mbo, Allah, vous venez de nous dire que c'est Gbagbo qui était reconnu président de la République. Et Ouattara, non. Mais au-delà de tout ça, vous venez de nous dire qu'alors l'acquittement de Gbagbo est bien fondé, car il n'était pas celui qui avait perdu les élections qui devait se retrouver donc à la CPI. C'était qui donc? Alassane Ouattara. Mais au-delà, pour aller encore en profondeur, la justice française vient de dire à Alassane de ne plus jamais démissionner ou bien de ne plus jamais laisser le pouvoir jusqu'à sa mort. Sinon, il serait objet de poursuite. Il ferait objet de poursuite. Est-ce que vous voyez un peu où je vais en venir en fait? Parce que si on dit aujourd'hui que Guillaume Soro n'était pas premier ministre de Côte d'Ivoire de décembre 2010 à avril 2011, la même phrase là-dedans, ce qui n'est pas dit, qu'on doit le dire maintenant, c'est que alors celui qui lui a dit « je te nomme » n'avait pas la qualité de le nommer. Si celui qui lui a dit « je te nomme » n'avait pas la qualité de le nommer, il avait quelle qualité? Et qui avait donc la qualité de nommer? Voici des questions qu'on doit se poser et qui méritent des réponses devant cette justice française. Voici des questions des plus pertinentes qu'on doit se poser pour savoir, mais l'Ivoirien comprend ça comment? Et puis, ce n'est pas sérieux. Ce qu'on attend n'est pas sérieux d'une justice française. Mais je me souviens comme si c'était ce soir. La résolution 1975, mais c'est la France, à travers l'ONU, qui a appliqué cette résolution sur la Côte d'Ivoire en bombardant les armes de Gbagbo au profit de Ouattara. Les juges françaises n'étaient pas encore là. Ils n'avaient pas encore fait les universités pour sortir juge. Mais diantre, ce n'est pas à nous, il faut en vouloir. Allez-y, apprendre vos cours d'histoire entre la France et la Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy était président en France. C'est Nicolas Sarkozy, lui, comme à l'accoutumée, qui a demandé à l'ONU de leur donner l'autorisation d'agir en Côte d'Ivoire pour installer Ouattara au pouvoir, pour confirmer que Alassane était le président de la République élu. L'ONU n'a pas hésité de prendre la résolution 1975 qui a permis à l'armée française en force à Abidjan pour détruire les armes de Gbagbo Laurent qui ont facilité l'accès au palais présidentiel à Alassane Ouattara. Mais on ne se dédie pas en pleine journée comme ça. Parce que la justice française est en train de traduire un problème judiciaire
un problème juridique en un problème politique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou entendre. Mais c'est que ce jeu est flagrant. Ce qui voudrait dire que Gbagbo ne devrait pas aller à la CPI. Parce que tout ça est lié à la crise post-électorale, quand même. Si c'est faux, dites-moi. C'est un message aussi clair pour le régime d'Abidjan, pour leur dire, vous étiez faux et dans le faux en 2010. Ça peut vous rattraper et ça doit vous rattraper. Parce que le faux finit par rattraper. Donc, moi je veux rassurer tout le monde. À qu'on n'ait pas à demander. Ce qui se joue n'est pas la personne de Guillaume Soro, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en train de basculer. Mais c'est plusieurs années d'acquis de paix si fragile qui va en ruine ou qui est en train d'aller en ruine pour des raisons purement politiques. C'est tout. Vous savez, j'aurais appris que c'est toujours l'affaire où des gens se sont constitués pour porter plainte dans l'affaire d'assassinat de Ibé. J'ai dit, mais tout ça, effectivement, est en train de viser seulement le régime d'Abidjan. Parce que pour viser quelqu'un là, même vous prenez l'exemple sur vous, très simplement, hein, quand tu veux frapper quelqu'un qui est plus fort que toi, et que tu sais que si tu contournes d'une manière, tu peux l'atteindre, tu ne vas pas directement. Tu passes par un bon petit, un boucle émissaire, et puis tu le frappes. Ce qui veut dire qu'en vrai, comme le dossier des 3000 morts en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas encore été jugé, même entendu, il faut chercher alors ce qui peut l'amener dans notre suivi de réparation. Il faut le provoquer. C'est de la pure provocation. Et puis, c'est de montrer à Alassane Ouattara que vraiment, il faut t'attendre à ça. Parce qu'effectivement, on vient de voir que tu n'étais pas qualifié à nommer un premier ministre, surtout hein, Guillaume Soro. C'est ce que nous, on retient. Et on retient que si Ouattara n'était pas qualifié, la Côte d'Ivoire ne pourrait pas rester sans président. Qui donc était président en Côte d'Ivoire? Puisqu'ils étaient deux qui réclamaient la dent de la panthère, comme le dit l'autre. Si aujourd'hui, selon la justice française, Ouattara n'avait pas cette qualité de réclamer la dent de la panthère, et pourtant ils n'étaient que deux, c'est que, évidemment, c'est le deuxième qui était qualifié à le faire. Si le deuxième était qualifié à le faire, a-t-il limogé Guillaume Soro? Non. Aucune décision de Gbagbo, je n'en connais pas. Je n'ai aucune connaissance que Gbagbo Laurent a limogé Guillaume Soro en 2010. Non. Donc, Guillaume Soro, en tout état de cause, dans les deux cas de figure, il était président, il était premier ministre de Côte d'Ivoire, donc président d'institution. Donc, qui ne peut pas faire l'objet d'une poursuite. Dans une affaire qui s'est déroulée pendant qu'il était en fonction. Ce n'est pas moi, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Donc, mesdames et messieurs, voici quelques informations que je voulais porter. Hein? Daoud Akonde, comment ça va? Oui, mon cher. Faut laisser les margouillas qui viennent se prendre un peu de soleil ici. Et donc, rassurez-vous que quand on dit la saisine de l'assurance vie de Guillaume Soro, ça ne touche pas la vie de Guillaume Soro. Hein? Voilà. En fait, l'assurance vie, c'est une question de
une question personnelle, une question de volonté. Bon, moi, je veux constituer une assurance vie. Maintenant, s'il y a une saisine, ça ne veut pas dire que, voilà, il n'a plus droit à ça, sauf que c'est suspendu pour une période. Sauf qu'on dit, tout simplement, bon, comme, on veut, on, comme le procès peut à tout moment s'ouvrir, et qu'à l'issue d'un procès, quand tu gagnes, tu as gagné. Peut-être même quand tu gagnes, on te dédommage. Mais quand tu perds, c'est toi qui dédommages ceux, la partie plaignante. Donc, cet argent, c'est pour, d'une manière ou d'une autre, garder à côté. Et puis, essayer, n'est-ce pas, de voir s'il gagne le procès ou pas. Et comment maintenant décider l'utilisation de ceux. Sinon, il n'y a rien de plus que ça. Et puis, il n'y a rien d'alarmant. Et vous verrez dans les jours qui vont suivre que c'est du buzz. C'est du gros buzz. Mais c'est un message pour dire à nos autorités actuelles en Côte d'Ivoire que votre passé n'est pas si reluisant. Donc, sois salué, très cher grand frère Aston Martin. Mama Douchka Pakora, Daouda Kone. Donc, c'était un peu le petit speech que je voulais faire ce soir sur le sujet qui fait la une de certains journaux en Côte d'Ivoire et des réseaux sociaux. Mais c'était juste pour dire aux uns et aux autres que ce n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas un dossier qui vient encore de se lever. Non, c'est un ancien dossier. Qui a toujours existé et que les procédures sont encore toujours en cours. C'est juste ça. Donc, c'était juste... Et je profite de l'occasion pour vous saluer encore une fois de plus. Vous dire, prends pour rétabli... Qu'est-ce que je voulais dire? Vous dire très bon week-end à chacun et à chacune. Et à très bientôt. Au revoir.